Frérot, tiens, ouais. C'est ton cadeau. Ouah, mec, c'est pour toi, mec. Ouais, là, vous devez rien comprendre. Vous êtes en train de vous dire que je vous ai menti sur la miniature et le titre. Mais si je vous dis qu'il pense réellement être en face d'une Lamborghini, vous me croyez toujours pas. Et c'est ce qui va se passer aujourd'hui, il va être sous hypnose toute la journée et moi je vais lui faire croire un tas de choses. Vous savez comment elle est belle. Tu vas avoir toutes les sensations multipliées. Dès qu'il va accélérer, tu vas avoir une sensation de vitesse énorme. Elle a ligne droite, il y a moyen. Arrête gros, arrête mec, c'est dangereux là. Ouah, t'es un fou. Ouah, t'as combien là? Ah, frérot, t'es franchement je crois 200 frérot. Mec, mais t'es un ouf. Ouah. Accroche-toi. Et à chaque fois que tu regarderas le compteur, la vitesse, il y aura toujours un 1 devant le chiffre qui est indiqué. T'as vu? T'es à combien? 150. Tu diras 130 des fous. Ouah, c'est le fou. Vas-y. En plus j'ai regardé une vidéo de GMK hier, ça m'a trop dénoncé d'avoir une grosse queue. Bah voilà, t'es content? Ouais. Tout redevient normal maintenant. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais être accompagné d'Alex qui va m'aider toute la journée à faire souffrir ou faire plaisir au frérot Luc. Allez, let's go. Tu vas fermer les yeux et tu vas te rendormir maintenant. Ok, c'est parti, là, ça y est, il est endormi, il est en place là. Quand tu vas ouvrir les yeux, une personne va rentrer dans la pièce et tu vas te rendre compte qu'elle sent une odeur de poisson pourri. Vous allez voir tout au long de la vidéo, ceux qui sont sceptiques par rapport à ça, en mode vous pensez que ça marche pas ou quoi. Je pense qu'à la fin, vous allez vraiment y croire. Mais moi, sur moi, ça ne marche pas du tout, mais sur lui, c'est une dinguerie. Salut, ça va? Ça va et toi? Je suis un peu stressée, je déteste les dates d'habitude. Les dates? Ouais. Comment ça, les dates? On est en date. Ah, attends une seconde, s'il te plaît. Ça va pas? Non. T'as l'air hyper pas bien, qu'est-ce qui se passe? Rien. T'es susceptible comme fille ou pas? Non, pourquoi? Je comprends pas. C'est quoi ton parfum juste pour... C'est le scandale de Jean-Paul Gaultier, pourquoi? Ah, ça sent bon ça de base. Le bâtard. Tu trouves que je pue? Toi, tu trouves pas? Ouais. Non, pas toi forcément, mais il y a une liste, enfin, il y a des trucs bizarres là. Bah, au pire, si vraiment là t'es je sais pas si c'est pour toi la pièce, je te propose qu'on se revoie genre à un autre endroit une prochaine fois parce que du coup je suis. Ouais, avec plaisir, ouais, on peut faire tu ça. Tu fais juste la bise du coup. Non, t'inquiète. Si, bah quand non, même. Non, t'inquiète. Si les gars, il a failli partir. C'est pas ça. Bah, si, quand non, même. Non, je peux pas. Franchement, ben... je suis désolé, je me sens pas bien. En plus, moi, je fais pas la bise comme ça. Moi, je serre que la main si tu veux. Ouais, mais. Là, serre la main. Je fais pas la bise comme ça. C'est quoi cette excuse? Désolé, mais je te rappelle. Ok. Au nom de Dieu, jamais je la rappelle. Il y avait une odeur, les refs. Ok, premier date, masterclass. La prochaine personne qui va rentrer dans la pièce, tu vas te rendre compte que c'est la fille la plus insupportable que t'aies jamais vue. Bonjour. Salut. Ça va? Bien et toi? Bah ça va super. Tu vas te rendre compte, vraiment, que la fille en face de toi, elle te fait flipper de ouf. Elle est effrayante, hautaine, mais surtout effrayante. Et ça commence maintenant. Du coup, je veux que tu m'expliques pourquoi tu me trouves prétentieuse. Je sais pas, j'ai pas trop envie de te parler en vrai. Pardon? J'ai pas trop envie de te parler en vrai. Mais t'as pas le choix en fait, t'es en date là. Non, j'ai le choix de tout. Ok, bah tu peux partir. Elle lui a dit tu quittes la bordée, il est parti direct comme rien. Apparemment, ils ont payé pour que je sois là, t'as de la chance. T'es payé? Ouais, je suis payé. Comment ça, t'es payé pour? Je suis payé, t'inquiète pas. Pose pas de questions, tu prends trop de toute façon. Je sais même pas pourquoi je suis là. On me ramène des gens. Des gens comment? Ah, des gens comme toi! Mais des gens comment? Je suis comment? Mais tu sais très bien comment t'es tous les jours. Tu te vois quand même tous les jours. Mais même temps, quand tu te regardes, tu dis ah putain, aujourd'hui je fais peur. Aujourd'hui, je fais peur, frère. C'est comme ça, c'est tout. C'est un malade! Et tout redevient normal maintenant. Ça va? Ouais. Quand tu verras une nouvelle fille en face de toi, tu vas voir que c'est la fille la plus belle que t'aies jamais vue et tu vas avoir le coup de foudre. Ah, salut. Je peux te faire la bise? Ouais, ça va? Ça va et toi? Ouais. Ah, t'es tactile direct comme ça? Ah, désolé, je suis très naturel. Tu t'appelles comment? Je m'appelle Luc et toi? Je m'appelle Lexi. Non, vraiment. Ça va, tu fais quoi dans la vie? Je suis dans la musique et toi? Mais non. Mais si. Je peux me faire écouter? J'ai pas mon téléphone. Ouais, tout à l'heure, avec plaisir. Mais du coup... Tu fais de la musique de love et tout? Ouais. J'adore. Mais ça me met en effet ensemble. On est fait pour être ensemble. Mais j'oublie mes mots carrément. Non, mais en vrai, j'ai vu plein de filles dans ma vie. Hein. Oui. J'en ai connu pas mal, tu vois. Combien? 200, 300? 10 000 peut-être. Mais...
sur les 10 000, il n'y en a pas une aussi fraîche que toi. C'est un truc de fou. Non. Après, je te dis très honnêtement, belle ou pas, moi ça n'a pas déterminé la longueur de la relation. Tu vois. Mais il fallait que je te le dise. Ouais, ça va un peu trop vite là. Et sinon, t'as des passions à part la musique? J'ai la musique, tu fais tout seul ou... Je fais tout seul, j'essaie de faire ça au mieux. Mais toi, tu fais quoi dans la vie surtout? Moi, je suis stripteaseuse. Stripteaseuse? Pourquoi ça te fait rire? T'aimes pas ce métier? Non, c'est juste que ça bloque chez certaines personnes en fait. Ouais? Bah, attends que ça reste pro ou pas? Ah bah de ouf. T'es sûr? Bah personne me touche, je fais juste un show, mais voilà. À partir de maintenant, tu vas rentrer dans la séduction. C'est le moment, il faut vraiment que tu aboutisses à ce que t'as envie. Et ça commence maintenant. T'aimes bien le jeu Hot Combien? Hot Combien, ouais, vas-y. Vas-y, Hot Combien, je vais me faire un bisou. Bah, j'ai pas besoin d'un Hot pour te faire un bisou, moi. Ah ouais? Non. Vas-y. Vas-y, je te fais sur la main. À moi maintenant. Ok. Hot Combien? Tu fais tes stripteaseuses? Non, ça c'était une blague, je t'ai prank. Ah! Okay. Tu fais de la muscu? Ouais. Waouh, je peux toucher tes pecs? Ouais, si tu veux, vas-y. Waouh! Ça fait combien de temps tu t'entraînes? Ça fait, je sais pas, depuis que j'ai repris en janvier. Waouh, c'est gros! Ça va! Ils sont plus gros que les miens? Non, tu mens. Tout redevient normal maintenant! Gros, tu fais quoi? Gros, tu fais quoi? Waouh, casse-toi mon gage! Mais t'es un gamin, frère, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu roules jamais sur les jeux. Essaye, vas-y, je sais pas, compte jusqu'à 5. À haute voix. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, Luc, quand tu vas ouvrir les yeux, à partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre dans la voiture est la stricte vérité. Et tu vas commencer à avoir un peu peur parce que tu sais pas ce qui va se passer dans les prochaines minutes. Ça commence maintenant. Une annonce importante vient de nous être envoyée. Le chanteur Luc Nguyen est recherché dans toute la France pour plagiat envers Dadju, notamment pour ce titre. Comment ça Dadju? Comment ça Dadju? C'est archi pas Dadju ça! Si quelqu'un reconnaît Luc Nguyen, ou si vous pensez le reconnaître, n'hésitez pas à vous rapprocher des services de police. A nos dernières informations, il serait en ce moment même à Paris. Il porte des lunettes de type vietnamien, cheveux courts bruns avec une moustache. Merci de relayer les informations. Dis quoi, t'as fait ça? J'ai fait quoi, frère, wesh? Mais t'as plagié. Mais t'as plagié ou pas? Genre ton son, ouais, c'est plagié, frère. Non, non, ça n'a rien à voir. T'as une faute, tu serais recherché carrément pour ça. Mais c'est des malades. Baiser la vie de ma mère, vous m'emmenez où là? Tu m'emmènes où là? Mais gros. Mais les gars, là, ça mène pour un événement, mon frère. Mais non, ça va bien se passer. Mais non, mais mec, mais on va montrer A plus B que frère, tu copies pas. T'inquiète. Je l'écoute même pas. Il va appeler l'avocat, c'est bon. Mais comment ça, l'avocat, de quoi tu parles, frère? Vas-y, viens, on se casse ici, frère. En plus, il sait qu'on a Paname, là, gros. Ah, parce que tout le monde a eu ça dans la voiture, du coup, ils sont tous au courant. Non, gros, non, c'est pas possible. Je l'écoute même pas, Dadju, gros. Mais c'est chelou, alors. Attends, mais c'est pas possible, oui. Non, mais t'as repris des paroles ou. Non, j'ai rien pris, j'écoute même pas Dadju. Oh, 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 ah! C'est tout ce que je sais de lui, frère! C'est tout ce que je sais de lui, ma gueule! Non. Vas-y, Benji, avance, wesh, frérot! T'es là, tu prends tout ton temps en plus! Il est chelou, il est chelou! Voilà, voilà, fais le go fast un peu, voilà! Ouais. T'es là, tu mets tes clignotants aussi, frère! Tu veux aussi leur dire où est-ce qu'on va? Je dois conduire, moi! Bah, ouais, ça sera déjà bien niqué, t'es fou, quoi! Mais gros, tu dois conduire depuis tout à l'heure, tu mets des clignotants, tu prends tout ton temps, frère, tu me fasses penser, en fait! Ok, vas-y, tu nous suis! On fait ça bien! Les gens, ils vont pas trop capter! Oh. Y'a la mini. Le pauvre, c'est horrible ce qui se passe. Les gars, encore merci encore une fois à Cinévasion qui nous prête la salle de cinéma. Ouais, vas-y. Luc, tu me regardes? Dans quelques instants, tout va redevenir normal et tu garderas un merveilleux souvenir, ce sera une très très bonne blague et ça commence maintenant. Dadju, oh. Ah, vous êtes des gamins. Dans quelques instants, tu vas rentrer dans une salle et cette salle est remplie avec plus de 200 personnes qui sont là. Dans quelques instants, tu vas vivre le concert de ta vie. Et ça commence maintenant. T'entends quoi les gens? Ouais. T'es prêt là? T'es chaud ou quoi? Je suis chaud. Elles sont là pour toi. J'ai peur. Hein. Ouais, mais c'est normal. Ah, j'ai peur, Oui, mais t'es chaud. Ça va bien se passer. Vas-y, let's go. Tu les entends? Désormais je tombe dans le froid. Pour moi c'est fade.
Et comme la fille est pas là, dès que tu entendras sa voix, tu ne pourras pas t'empêcher de danser. Merci madame. Oh mon gars, ta tête sort. Ouais. Oh ta tête sort, putain. Vous m'avez même pas écouté. De quoi? Vous m'avez même pas écouté. Qui ça? Il y a pas de place, tu y avais trop de monde. Mais tu fous ma gueule là, frère. Quoi? Tu fous ma gueule là, frère. Ah mais ils sont partis où? Tout à l'heure, elle était blindée la salle, non? Attends, tu l'as vu avec du monde toi aussi tout à l'heure, non? C'est parti où les gens? Au début, mec, te voyais kiffer de fou. Frère, t'es un bâtard. Pourquoi? Gros, je m'y croyais grave. Et quand tu l'as vu, tu t'es dit quoi? Je me suis dit, au moins j'ai une personne qui m'écoute. En face de toi, il y a 100 euros. Et ici, il y a un truc, mais on sait pas c'est quoi. Pour l'instant, tu choisirais quoi? Attends. Pour l'instant. Luc, t'es prêt? Regarde là. Tu restes bien droit sur les jambes et dors. Les gars, ce qui s'est passé, c'est que sous la cloche, il y a 10 000 euros. Et là, pour vous montrer que c'est pas fait avec l'hypnose, n'importe qui aurait pris les 10 000 euros. Vous allez voir ce qui va se passer. Il va tout savoir. Ok, Luc. Quand tu vas ouvrir les yeux, tu vas avoir extrêmement peur de ce qu'il y a sous la cloche. Tu n'auras absolument pas envie de le prendre. Tu choisiras le choix qui te fait le moins peur. Même si tu vois les 10 000 euros sous la cloche, tu ne pourras pas t'empêcher de prendre uniquement les 100 euros. Frérot, ouais. Tu es prêt, tu vas devoir faire un choix. Je suis gentil, avant même que tu fasses ton choix, je vais te montrer ce qu'il y a sous la cloche. Donc tu vas pouvoir choisir. Et quoi qu'il arrive, tu pourras faire vraiment ce que tu veux, ok? Ouais. Sous la cloche, il y a 10 000 euros. Wesh! Wesh! Viens là! Wesh, gros! Viens là! Non, t'es fou quoi, frère? Vas-y, enlève ça! Non, enlève ça, frère! Enlève! Viens là! Non, j'en prends, frère, t'es fou quoi? Vas-y, casse-toi, frère! Frérot, c'est 10 000 balles, putain! 10 000 euros? Non! Ok, Luc, dors. Qui a autant dégoûté de 10 000 euros? Personne? Tu n'auras absolument pas peur, mais tu n'auras pas du tout envie de les prendre. Reviens, calme-toi. Tu préfères du coup 100 euros ou 10 000 euros? Frérot, je te le dis, financièrement, si j'ai fait ça, c'est que je peux. Donc tu peux choisir ce que tu veux. Je prends 100 balles, frère. Tu prends 100 balles? 10 000 balles, c'est ce que tu peux faire avec 10 000 euros? Ok, tu peux les réveiller maintenant. Tu te réveilles maintenant. T'as choisi 100 euros au lieu de 10 000 euros, frère. Je t'aurais donné 10 000 euros là. Je suis désolé. Quoi? C'est parti, épreuve finale. C'est bon, c'est ta dernière épreuve, après je te laisse tranquille. Finalement, en fait, j'ai un cadeau pour toi, je t'ai menti depuis le début. Ça bouge ou quoi? Non, ça bouge pas. Quand tu vas ouvrir les yeux, sous la cloche, il y a une montre Patek que Anthony a acheté pour toi. Et donc, tu pourras pas t'empêcher de la prendre et de la mettre. Ça commence maintenant. Mec, ton cadeau, t'es prêt? On va dire que tu l'as voulu. Pas une vraie. Si? Ah, mec, regarde, je t'y connais, je pense. C'est à toi? C'est pour toi. Tu mens, ça coûte des milliers d'euros ce truc. Bah, mec. Vas-y, mets la montre. Tiens, dors. Ok. Et tu vas voir que à chaque fois que tu recevras une décharge de la montre, tu pourras pas t'empêcher de chanter une de tes chansons. Tu chanteras une chanson et dès que tu recevras une décharge, tu changeras de chanson. Et à chaque fois que tu reçois une décharge, tu changeras de son. Je vais le tuer. Ça commence maintenant. Ça va? Ouais. T'es ma drogue, t'es ma wifi, t'es ma love. On ton âge, tu mal. Et reste avec moi. Wouah! Les gars, il se passe un truc bizarre dans ma tête. Pourquoi il se passe quoi? Pas con, y'a pas de. Mais pas ouais. Avec moi! Qu'est-ce qu'il y a? Il transpire. T'as chaud? Ouais, j'ai chaud, frère. Oh! Reste avec moi, bébé, danse avec moi! Putain, je connais même plus les paroles de ma propre musique! Reste avec moi, bébé, danse avec moi! Qu'est-ce que j'ai raconté? T'étais en train de chanter, frérot! Oh, ton cerveau a bugué? Tu chantais quoi? La fine manière! J'entends des sons! J'entends des sons! Non! Allez écouter, les gars, allez écouter, Luc! Ah, tu te souviens pas? Tiens, regarde, tu te souviens maintenant! Oh, vous êtes des bâtards! Tiens, regarde. Est-ce que pendant qu'il dort, si je lui mets un coup de chien? Les gars, juste à savoir, sa phobie, c'est la menace. Après toutes ces péripéties, Tony a décidé de te faire un vrai cadeau cette fois. Il va te ramener un gâteau pour fêter la sortie de ton son, plus 33, disponible sur Spotify. Et du coup, on va manger un gâteau tous ensemble. Donc, tu vas voir le gâteau, il est magnifique. Tu veux faire un gâteau, tiens, tu vas pouvoir le couper, on va manger ensemble. Gâteau! Oh,
et quand tu vas rouvrir les yeux, tu reviendras en pleine forme, pleine énergie, heureux d'avoir vécu cette expérience. Toute la sensation de dégoût aura complètement disparu. Tu reviendras en pleine forme, heureux d'avoir vécu ça. Tu garderas juste un excellent souvenir de tout ce qui s'est passé pendant cette séance. Et 5, tu peux revenir ici en pleine forme maintenant. Ça va ? Ça va. Ok, cool. Bon, merci d'avoir suivi la vidéo. Merci beaucoup, mon frérot Luc, d'avoir suivi aujourd'hui. T'as géré. Les gars, allez écoutez, streamez à fond le frérot Luc. Il gère de fou dans la description. Tous les jours, on parle de my baby. Et merci au frérot Alex. Bah merci à toi. Je pense qu'on n'a pas besoin d'en dire plus, il est trop chaud. Il a fait des dingueries, il a fait des trucs de fou aujourd'hui. Je pense que même ceux je suis désolé, hein. qui croient pas en l'hypnose, aujourd'hui vous y croyez. Si regardez la obligé. Vidéo, ça me fait rire, je crois. Bah merci les gars, j'espère. Merci beaucoup, moi. À la prochaine. Bisous, et merci. Tu dors.